Lors de funérailles émouvantes, l'actrice Melissa Sue Anderson, Melissa Gilbert, a été rappelée et a fait ses adieux hier à Los Angeles. Melissa, qui était surtout connue pour son rôle de Laura Ingalls sur le petit écran dans la série télévisée classique La Petite Maison dans la Prairie, est décédée le 28 novembre 2023 à l'âge de 60 ans après une longue bataille contre le cancer. Point. Les funérailles ont eu lieu dans une grande église de Los Angeles et ont réuni de nombreux amis, collègues et fans de Melissa. Melissa Gilbert, qui a partagé la vedette avec Melissa Sue Anderson dans La Petite Maison dans la Prairie et a déclaré que les deux entretenaient une relation étroite depuis de nombreuses années, a fondu en larmes lors de la cérémonie et a parlé à la mémoire de son amie proche la mienne. Melissa Sue Anderson, Melissa Gilbert, mieux connue sous le nom de Melissa, a eu une carrière d'actrice impressionnante. Elle est née le 26 septembre 1962 à Berkeley, en Californie, et a commencé sa carrière d'actrice très jeune. Cependant, son point culminant a été lorsqu'elle a joué Laura Ingalls dans la série télévisée La Petite Maison dans la Prairie de 1974 à 1983. Ce rôle a fait d'elle une icône de la télévision et aimée de millions de personnes à travers le monde. En plus de son rôle dans La Petite Maison dans la Prairie, Melissa a participé à de nombreux autres projets cinématographiques et télévisuels, notamment The Miracle Worker, Happy Birthday to Me et Chattanooga Choo Choo. Elle a reçu de nombreuses nominations et récompenses prestigieuses au cours de sa carrière. La bataille contre le cancer. En 2001, Melissa Sue Anderson, Melissa Gilbert a reçu un diagnostic de cancer du sein et a subi plusieurs interventions chirurgicales et thérapies pour lutter contre la maladie. Elle a affronté la maladie avec force et est devenue un symbole de patience et d'espoir dans son combat contre le cancer. Dans les années qui ont suivi, Melissa a continué à participer à des projets artistiques et à travailler pour des œuvres caritatives de lutte contre le cancer. Elle est devenue un monument de gentillesse et de compassion dans la communauté artistique. Lors des funérailles de Melissa, les participants se sont réunis pour se souvenir et partager de beaux souvenirs de sa vie et de sa carrière. Melissa Gilbert a fondu en larmes en évoquant leur relation étroite et sa perte. Elle est non seulement une merveilleuse collègue, mais aussi ma chère amie, a déclaré Melissa Gilbert. Nous avons passé de nombreux souvenirs mémorables ensemble et je me souviendrai toujours d'elle comme d'une compagne respectée. Le service funéraire s'est terminé par une prière finale et un hommage à Melissa Sue Anderson, Melissa Gilbert. Elle continuera de vivre dans le cœur de ceux qui l'aimaient et de ceux qui ont été influencés par elle tout au long de sa carrière et de sa vie. Lors des funérailles touchantes de l'actrice Melissa Sue Anderson, Melissa Gilbert, des milliers de personnes se sont rassemblées pour se remémorer et partager de beaux souvenirs de la vie et de la carrière de la célèbre star. Melissa, connue pour son rôle de Laura Ingalls dans la série télévisée classique La Petite Maison dans la Prairie, est décédée le 28 novembre 2023 à l'âge de 60 ans après une longue bataille contre le cancer des lèvres. Melissa Sue Anderson, Melissa Gilbert, connue de ses fans sous le nom de Melissa, a eu une carrière d'actrice impressionnante et impressionnante. Elle est née le 26 septembre 1962 à Berkeley, en Californie, et a commencé sa carrière d'actrice très jeune. Cependant, son point culminant a été lorsqu'elle a joué Laura Ingalls dans la série télévisée La Petite Maison dans la Prairie de 1974 à 1983. Ce rôle a fait d'elle une icône de la télévision et aimée de millions de personnes à travers le monde. En plus de son rôle dans La Petite Maison dans la Prairie, Melissa a participé à de nombreux autres projets cinématographiques et télévisuels, notamment The Miracle Worker, Happy Birthday to Me et Chattanooga Choo Choo. Elle a reçu de nombreuses nominations et récompenses prestigieuses au cours de sa carrière. En 2001, Melissa Sue Anderson, Melissa Gilbert a reçu un diagnostic de cancer du sein et a subi plusieurs interventions chirurgicales et thérapies pour lutter contre la maladie. Elle a affronté la maladie avec force et est devenue un symbole de patience et d'espoir dans son combat contre le cancer. Dans les années qui ont suivi, Melissa a continué à participer à des projets artistiques et à travailler pour des œuvres caritatives de lutte contre le cancer.
elle est devenue un monument de gentillesse et de compassion dans la communauté artistique. Les funérailles de Mélissa, qui ont eu lieu dans une grande. Dans cette affaire, on ne cherche pas quelqu'un qui a l'air gentil. On cherche quelqu'un qui est gentil. Une personne qui fait semblant d'être gentil. Tu vois pourquoi elle est. Tu vois pourquoi elle est. Tu vas aller où? Tu vas aller dans quel village est elle? Tu vas aller où avec elle? C'est ça! La vérité est là. La vérité est là. Et le pire dans cela, si quelqu'un désobéit à ce que je vous dis, et que quand même il doit épouser une femme sorcière, sachez que vous allez épouser votre pire ennemi. Vous allez aller de souffrance en souffrance. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Tant que vous êtes dans la relation, vous allez souffrir comme jamais! Comme jamais! Comment vous allez poser la question? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que vous ne saurez même pas ce qui vous arrive. Mais si vous n'avez plus rien, on va vous laisser. Elle va aller avec quelqu'un d'autre. Une fille à détruire encore. C'est son travail. C'est sa mission. Elle n'a que ça, c'est sur la terre. Elle est un mauvais esprit. Les Anglais appellent ça Evil Spirit. C'est un esprit très très méchant. Un mauvais esprit même. Ouais. C'est ce qui se passe en ce moment. Je veux dire que c'est très dangereux cette partie-là. Où nous voulons nous mettre en couple, où nous voulons épouser une femme. Tu dois consulter d'abord. Tu dois demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il dit. Tu ne dois pas te mettre en couple comme ça, t'es. On ne se marie pas comme cela, t'es. On ne marche pas avec n'importe qui comme cela, t'es. Si tu marches avec la mauvaise personne, cette mauvaise personne va attirer le mauvais esprit vers toi. Le mauvais esprit va dire que, comme cette personne a réussi à venir auprès de toi, c'est que aussi il peut finir avec toi. Ça va t'attirer des combats du métier. Le jour où tu vas te séparer de cette personne, automatiquement, net, tous tes problèmes disparaissent. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas dire, je viens d'où? Mais oui! Allez découvrir ce qui s'est passé avec Jonas. Quand Jonas est monté dans le bateau, là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les eaux étaient agitées? Pourquoi c'est comme si leur patron voulait...